Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois. Alors on va travailler avec le tarot renard, on va travailler avec Envolée sauvage. Ce sont deux jeux que vous retrouvez sur mon site, donc vous avez la référence en barre d'infos. Et je vous rajoute aussi la référence du petit oracle des couleurs. Je me suis dit que ce serait qui serait très harmonieux avec les autres jeux. Donc voilà, on va commencer par. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage du mois. Et puis on va commencer tout de suite avec un tirage, une carte du petit oracle des couleurs. Alors quelle va être la couleur qui va vous accompagner tout ce mois? Hop. Ah, on reste dans les tons de rose. Avec l'orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors c'est autant valable si vous êtes une femme qu'un homme, bien évidemment, puisqu'il y a toujours ce double aspect en nous, yin et yang. Et ici, avec cette idée de nourrir sa déesse intérieure, on va reprendre en fait tout l'aspect féminin que l'on a chez nous. Donc on va plus se tourner vers l'écoute attentive, on va se tourner vers le fait de prendre soin de soi, prendre soin des autres, comment prendre soin et être en harmonie justement avec le soin que l'on s'octroie, que l'on se donne et que l'on procure également aux autres. On est plus dans la réception que dans l'action ici. Et puis on parle de déesse intérieure, donc on parle du sacré en nous. Qu'est-ce qui est sacré en nous? Qu'est-ce qu'on peut vénérer en nous aussi? Donc oser voir en nous cette part de sacré. Oser, eh bien, faire, comment dire, on pourrait même se dresser un petit autel à nous-mêmes, voilà, avec une jolie photo, peut-être pourquoi pas si vous travaillez avec l'écriture ou avec le dessin, faire une belle illustration, un beau dessin de vous en mode déesse, ou travailler sur un texte que vous pourriez écrire qui honorerait votre déesse intérieure, ou mettre une belle photo dans votre journal, ou sur votre autel, ou choisir une belle photo de vous à mettre sur votre mur du salon. Voilà, on a cette idée en fait de vraiment honorer et respecter aussi la part divine qui est en nous, et puis la mettre en avant. Alors, on va mettre cette petite carte ici. On va garder une carte d'envolée sauvage pour la fin du tirage. Donc je vais la choisir dès maintenant avec toutes ces belles couleurs pastel. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà, je vous la lirai à la fin du tirage. Et comme thème général, voilà, on va prendre celle-ci. Alors, le 2 de bâton pour thème général pour votre mois. On est ici dans une observation. Il y a des idées, des envies qui germent. Alors vous allez être très connecté en fait à l'envie de faire quelque chose. Il y a une passion qui va ressurgir pour ce mois-ci. Alors, pardon, je vais le décaler un tout petit peu. Oui, je vais vous la mettre ici. Il y a une passion qui est en train d'éclore, qui est en train de naître. Vous vous posez plein de questions par rapport à ça. Vous ne savez pas encore trop comment l'aborder, en fait. Donc, vous voyez comme le renard ici qui est encore dans sa caverne, mais qui observe le monde. C'est le bon moment, en fait, pour vous, pour voir un petit peu, pour vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez apporter de plus? Qu'est-ce que vous pourriez, comment vous pourriez mettre au monde cette idée, cette passion qui est en train de naître à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce temps en fait de réflexion de comment vous allez faire les choses et est-ce que c'est possible de le faire.
Cette carte, elle ne vous dit pas si c'est possible ou pas. Elle vous invite vraiment à confronter ça à la réalité, à confronter ces idées, ces envies que vous avez. Par exemple, si vous avez un projet de... Je sais pas, un projet de déménagement, est-ce que concrètement c'est possible de le faire maintenant? Où est-ce que vous iriez? Est-ce que l'emplacement où vous iriez correspondrait à les contraintes que vous avez pour votre travail, pour votre famille, etc. Donc en fait, on est ici en train de se poser tout un tas de questions d'ordre assez matériel en fait, pour voir si ce que vous souhaitez mettre en place est valable et réalisable. Donc voilà, vous êtes dans cette approche-là, dans cette démarche-là. On voit qu'il y a une grande impatience hein, quand même. Avec ici le cavalier d'épée, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de mettre en place des choses. Ça va être un petit peu difficile justement d'arriver à se temporiser, mais en même temps l'envie est tellement présente que ça va vous permettre aussi de vous donner un coup de boost, de vous donner un élan en fait pour faire les choses, pour concrètement vous poser des questions concrètes pour y aller ensuite. Vous êtes en fait en train de vraiment tout préparer parce que l'envie est de plus en plus forte, de plus en plus présente, et vous avez envie de concrètement changer quelque chose. Alors, c'est ça, il y a cette idée hein, vraiment d'avoir envie de, déjà d'avoir des idées qui fusent, beaucoup beaucoup d'idées qui fusent un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est très chouette. Après, il faudra bien sûr arriver à les canaliser, mais c'est pas vraiment tant le sujet ici. Le sujet c'est que toutes ces idées vous donnent de l'énergie, vous donnent de l'élan. Vous avez envie vraiment d'avancer, de changer. Il y a peut-être une... vous étiez peut-être avant dans un mood, dans un mouvement, dans une énergie un petit peu trop stagnante. Et là, tout d'un coup, pouf, un peu comme une explosion, il y a tout qui sort, il y a tout qui s'envole et vous avez vraiment ce regain d'énergie qui apparaît. Alors ici, avec le 7 d'épée, on est encore hein, dans quelque chose de mental. Et on est en train de voir que... eh bien il va falloir se montrer un petit peu égoïste, il va falloir un petit peu ne penser qu'à vous pour arriver en fait à vous détacher de certains conflits qui sont en train de naître ou qui sont autour de vous mais qui finalement ne vous concernent pas. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais là on a deux épées et des petites souris qui sont en train de se bagarrer en dessous. Et puis là le renard lui il prend ses couteaux et puis il s'en va. Alors, peut-être qu'il y a un désordre ambiant qui vous permet, vous, de tirer un petit peu la couverture à vous-même. Donc ça, c'est un petit peu la première interprétation. Les choses sont mouvantes autour de vous, il y a des choses compliquées, ça ne vous concerne pas forcément, et puis du coup, vous arrivez un petit peu à tirer votre épingle du jeu. Ce qui est finalement pas une mauvaise chose, parce qu'on voit bien que ces conflits, qui sont autour de vous, cette mauvaise ambiance, en fait, elle n'a rien à faire avec vous, et vous n'avez pas, en fait, à prendre position, vous n'avez pas à y participer. Si on vous demande d'y participer, ça risque de se retourner contre vous, donc faites bien attention à ça, réfléchissez bien quand on vous pose des questions, par exemple, sur cette ambiance, ou sur ce que vous en pensez, méfiez-vous. Vraiment méfiez-vous, ne rentrez pas dans un conflit, ne donnez peut-être pas votre opinion, essayez vraiment de rester le plus éloigné possible de ce conflit-là. Et on a la carte du renard blanc, c'est une carte bonus en fait dans ce jeu, il comprend donc une carte de plus. On n'a que des renards roux dans le jeu, sauf ici un renard blanc qui vous invite en fait à... vous montrer authentique avec vous-même, à apprécier ce qui est différent, vos différences, votre différence, vos différences sont votre force, vos richesses, et font de vous quelqu'un d'unique. Appréciez ce qui est unique chez vous. On est dans ce côté aussi, comme je vous disais, d'honorer la déesse, d'honorer le sacré en vous, mais vos différences font aussi partie intégrante de vous. Et certaines différences peuvent être difficiles, bien sûr, à accepter, mais elles sont pleinement vous-même et on vous invite aussi ici à les honorer, à les remercier, parce qu'elles font de vous votre force. Et elles sont ce que vous êtes et ce pourquoi vous arpentez aussi votre chemin.
Donc voilà, honorez vos différences, elles vous enrichissent. Alors, pour terminer le tirage, on a avec la carte Envolée sauvage. Alors, je vous montre la carte. Dans ce jeu, on a des parties brillantes, vous voyez ici, qui sont sublimées. L'adieu au nid. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. C'est une carte qui vous invite à remercier le chemin que vous avez déjà parcouru, l'endroit d'où vous venez, mais de voir que ce n'est pas une finalité aussi. Que vous êtes en train de parcourir un chemin, donc vous êtes en train de continuer à avancer, et il ne faut pas rester bloqué aussi sur ce que vous avez vécu précédemment, sur l'emplacement où vous êtes. Alors quand on se sent bien dans un endroit, quand on se sent bien, on n'a pas forcément envie de le quitter, et pourtant on a encore des choses à découvrir, donc on vous invite à pas stagner non plus dans un état... ou dans un endroit, ou dans un état où vous vous sentez en sécurité aussi. Voilà, donc d'aller au-delà de la sécurité. Et en même temps, on a aussi cette idée de remercier son nid, remercier son cocon, remercier l'endroit d'où l'on vient, donc ce que l'on a vécu précédemment, autant en difficulté, qui vous a apporté des forces pour la suite, que en joie, qu'en bonheur. Vraiment remercier l'ensemble de ce chemin, pour continuer à avancer. J'aime bien cette notion de nid parce que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, surtout avec ce qu'on a traversé durant ces dernières années avec les confinements, etc. On a dû en fait avoir un regard différent sur l'endroit concrètement où on vit, notre nid, celui qui nous accueille dans notre vie et qui accueille notre famille. Donc on a beaucoup aussi travaillé sur cet espace et essayé de créer des espaces qui sont le plus accueillants possible aussi pour nous et notre famille, parce qu'on a été obligé aussi d'y rester. Donc on a bien cette idée en fait de travailler sur ce nid douillet, de créer un nid confortable pour nous et de voir à chaque fois comment on peut le faire évoluer. Parce que notre vie évolue et parce que nos besoins évoluent, notre famille également évolue, on a besoin aussi de faire évoluer l'endroit où l'on vit et de ne pas rester, de ne pas stagner aussi sur ce qu'on a construit avant, mais être sans arrêt dans cette évolution. Voilà. C'est vrai, on a un oiseau là qui s'envole justement du nid. Et l'autre qui est là à observer, toujours, on a aussi une forme d'accueil avec le nid, un endroit où on se sent accueilli, protégé, et où on peut revenir. Quels sont les endroits vous, où vous pouvez revenir, où vous vous sentez bien, où vous sentez en sécurité? Comment créer cet espace-là chez vous, en même temps d'avoir cette joie de partir et toujours cette joie de revenir aussi? Comment vous pouvez créer ça? Voilà, de jolies réflexions en fait à avoir. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très très bon mois, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, prenez bien soin de vous.